Un groupe de derviches tourneurs venus de Syrie participe en ce moment au Festival d'automne de Paris. À l'origine, les derviches tourneurs étaient un ordre religieux musulman qui s'est répandu dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Comme leur nom l'indique, leur particularité est de prier en tournant sur eux-mêmes. Ces religieux eurent une grande importance politique puisque ce sont eux qui sacraient les califes, l'équivalent de nos seigneurs. Le temps a passé. Aujourd'hui, les derviches tourneurs n'ont plus guère qu'un intérêt folklorique. Mais leur spectacle, vous allez le voir, reste impressionnant. Ils tournent depuis le XIIIe siècle. Leur danse est une prière et l'ivresse de la rotation leur permet d'atteindre Dieu. En transe, ils peuvent tourner une heure d'affilée sans ressentir le moindre trouble. Encore aujourd'hui, lors de la grande fête du Ramadan, on tourne toute la nuit dans les mosquées. Mais même au Moyen-Orient, les traditions se perdent. Les derviches que vous allez voir n'ont plus rien de commun avec l'ancien ordre religieux. Le plus âgé est cuisinier à Damas, les deux petits vont à l'école. Ils tournent pour l'argent de poche, mais tout de même, une heure, il faut le faire.